Dernière partie de Tarte et moi là avec mon invité d'honneur cette semaine, c'est Marie-Adélaïde Dumont, libraire et propriétaire de la Maison Doucet. On va parler évidemment de cet événement Faites lire qui aura lieu la semaine prochaine. Une liste d'auteurs invités encore assez exceptionnelle et puis plein d'événements. Quelques mots, propriétaire de la Maison Doucet depuis maintenant 17 ans. Oui, une madame. Véritable institution puisque la librairie a été créée en 1934, rue Nationale puis avenue de Gaulle. Toujours aussi heureuse d'être aux commandes de cette maison. Forcément, c'est un métier de passion, donc la passion ne s'arrête pas. C'est toujours un plaisir de voir cette rentrée littéraire, d'avoir des frissons au bout des doigts pour savoir par lequel on va commencer, qu'est-ce qu'on va lire. C'est toujours un bonheur d'inviter des auteurs, d'échanger, de conseiller. Non, je pense que ça va. Je crains que je sois là encore un petit peu. Ben on le souhaite, comme ça vous reviendrez régulièrement dans l'émission. On parle de Faites lire, évidemment, c'est le gros événement qui aura lieu la semaine prochaine, du 26 septembre au 2 octobre prochain. Un salon qui a pris un nouveau virage l'année dernière avec une nouvelle directrice artistique pour Sylvie ce salon, la personne de Sylvie Rostin. Un vrai succès populaire, on a ressenti une vraie ferveur collective. Et puis le retour de ce salon dans la cour des grands, est-ce que c'est aussi votre ressenti, oui. Marie-Adélaïde ? Alors moi, je pense qu'il y a plusieurs choses qui sont importantes. C'est le retour dans la cour des grands, c'est la volonté de faire un salon d'auteur. C'est-à-dire qu'on invite un auteur qui va parler de son livre, on va créer des manifestations, des rencontres. Tous les auteurs qui viennent ont une rencontre et ça, c'est très important. Ils ne viennent pas uniquement pour dédicacer, ils viennent pour échanger avec leur public. Et pendant une semaine, par exemple, on a Emmanuel Carrère, Olivia Ruiz, Eric Orsenna. C'est vraiment une animation complète. Donc, et très important, la mairie, la municipalité fait des efforts considérables pour nous accueillir dans des bonnes conditions et c'est gratuit. Et ça, je ça aussi, c'est la nouveauté depuis l'année dernière. Ça, c'est important de toucher le grand public. Ah ben alors, le fait que ce soit gratuit, vous venez, vous vous promenez, mais si vous avez envie de revenir le dimanche matin ou le dimanche après-midi, vous ne vous posez pas de questions. Et ça peut être une sortie en famille sans que ça vous coûte beaucoup d'argent. Et puis, il y a une vraie scénographie. Il y a d'un côté les Jacobins, la littérature généraliste, il y a La République pour la littérature jeunesse, la BD, et puis il se passe des choses dans les rues. Exactement, parce qu'il y a tout un parcours fléché avec des animations. Cette année, c'est Molière, il y aura des scénettes. C'est quelque chose de très joyeux. Alors, je mets des œufs aux Clarisses, on croise tous les doigts pour qu'il fasse beau, parce qu'effectivement, le soleil arrange la manifestation. Il est là depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, on l'espère aussi. C'est un moment important, si important que ça pour vous, en tant que libraire, cet événement? Tout à fait. Oui. Alors, vous savez, ça démarre, nous, notre grosse pic d'activité, je dirais, c'est août à fin décembre. La rentrée littéraire, bien évidemment, la rentrée scolaire. Mais Faites lire, mais le début, je dirais, de la saison. Vous savez, comme la saison des festivités, Faites lire démarre ça. Il y aura les prix, il y aura la joie, il y aura le partage de nos coups de cœur après. Mais Faites lire est un moment à part et est en train, pour notre plus grand plaisir, de reprendre sa place dans les salons. Et aujourd'hui, on est dans la cour des grands dans les salons. Est-ce qu'on concurrence les plus grands salons littéraires aujourd'hui? Tous les salons sont importants, mais les auteurs aiment bien venir parce qu'ils n'ont pas des temps de transport énormes, parce qu'ils sont très bien reçus, parce que la soirée des auteurs à la chapelle de l'oratoire est absolument somptuaire. Non, ça devient un salon qui compte. Alors, cette édition 2022 célébrera les 200 ans de la naissance de Jean-Baptiste Poquelin, alias Molière. Il y aura notamment Francis Huster, Éric Orsenna. Il y aura une dictée aussi autour de Molière. Ouais. Et puis, de grands noms seront là. Vous le disiez, Emmanuel Carrère pour un grand entretien. Ça sera, notez-le bien, le 26 septembre au théâtre Paul Scarron à 18h30 pour évoquer... Pour le moment, on ne sait pas si on va rester au Scarron ou si on va devoir migrer en fonction du nombre de réservations. On le dira à l'antenne dans les prochains jours. En tout cas, il sera présent évidemment pour évoquer ce récit poignant autour des attentats de 2015. Ouais. Ouais. Du Bataclan, et ce procès qui a duré 9 mois et dans lequel il a été immergé. Et ces chroniques qui sont regroupées dans ce récit. Ces chroniques hebdo qui sont regroupées et, je dirais, augmentées. Olivia Ruiz aussi sera là le 27 septembre prochain à 18h30 au Palais des Congrès et de la Culture. Là, elle va nous proposer une lecture musicale de son second roman. Oui, comme elle l'avait fait pour la commode au tiroir de couleurs. Olivia Ruiz, on ne la présente pas, c'est gay, c'est joyeux, c'est... C'est une chanteuse qui est devenue une auteure à succès. Une auteure à succès, et parce qu'elle a ce charme qu'elle avait dans ses textes, on la retrouve dans ses livres, et quand elle les met en musique, c'est du bonheur. Le dernier, un roman, Écoute la pluie tomber, qui est absolument formidable à lire absolument. Et puis,
180 auteurs attendus. Ça sera le week-end pendant ce grand salon sur la place des Jacobins. Quelques noms en lien avec vos coups de cœur littéraires. Alors, quelques noms, des gros coups de cœur. Donc, je vois que je commence par Tatiana, un magnifique roman qui vient d'arriver, Nous irons mieux demain. Une histoire de solidarité entre une femme âgée et une femme plus jeune, mais surtout une histoire d'amour sous la figure de Zola. Donc, un livre très complet, comme sait le faire Tatiana, avec beaucoup, beaucoup de charme. Autre auteur présent et coup de cœur aussi. Alors, coup de cœur, c'est surtout admiration. Dorothée O'Leary, grand reporter sur France Télévisions, qui suit depuis 20 ans tous les conflits du monde et qui vient parler, et on a associé à sa rencontre le deuxième Rima, qui vient parler de ce soldat qui a été tué au Mali, ce jeune père de famille. Et je pense que c'est important que Dorothée O'Leary trace un pont entre ce qui se passe sur les conflits, les terrains de conflit, ces militaires qui se battent pour nous, et puis nous qui sommes là confortablement assis dans notre salon. Il y aura beaucoup d'auteurs journalistes qui seront présents, notamment Sonia De Villers, on fait le lien. Alors, c'est formidable là, ça aussi. Là, extraordinaire. Vous savez que c'est le plus grand trafic d'êtres humains du XXe siècle. À savoir que la Roumanie, dans les années 60, a décidé de vendre ses juifs contre du bétail, parce que son agriculture était en pleine déliquescence. Elle avait besoin d'animaux, elle n'avait pas d'argent, mais elle avait l'argent de la diaspora juive qui voulait faire sortir. Donc c'est son histoire, Sonia De Villers. L'histoire de son arrière-grand-mère, de ses grands-parents et de sa mère. C'est poignant. Sonia De Villers, qui est évidemment journaliste sur France Inter, c'est important de le préciser. Autre coup de cœur qui est aussi un grand coup de cœur pour moi. Partagé. Bien sûr. Les enfants endormis, Anthony Passeron. Premier roman, il faut signaler cette particularité, une double narration. L'histoire de son oncle, qui fait partie de ses enfants, de ces jeunes dandys qui sortaient faire la fête et qui sont tombés dans l'héroïne. Ses enfants endormis avec une seringue dans le bras. On parle du sida différemment. Et un chapitre sur l'histoire de cet homme qui va faire plonger toute sa famille, sa femme, sa fille, enfin une histoire dramatique. Et l'autre chapitre, puisque tout ça va s'alterner, c'est l'histoire de ces chercheurs qui ont séparé ce virus, identifié le virus et commencé à savoir comment le traiter. Les enfants ont dormi d'Anthony Passeron, c'est chez Globe Édition. Et puis on finit par Julia Minkowski qui donc sera présente à Doucet vendredi soir, et elle sera avec nous à 18h45 dans La Quotidienne. J'aurai la chance de faire son interview dans l'après-midi. Exactement, et dimanche sur le salon. Évidemment. Voilà. Alors là, extraordinaire, l'histoire démarre en septembre 33. C'est une jeune femme brillante, stressée, qui fait les 100 pas en attendant la délibération du jury. Et pour cause, elle a été l'avocate des sœurs Papin. Elle attend le verdict de la cour. Mais elle s'est battue toute sa jeune existence pour être la première avocate pénaliste sartoise de passer le barreau. On lui a demandé des choses incroyables. C'est un destin de femme, c'est une volonté de femme, c'est une histoire d'amour. C'est une réflexion sur la justice, c'est passionnant. Là aussi, c'est un premier roman de cette avocate. Et ça traite évidemment des sœurs Papin, évidemment, dont elle était l'avocate. Je dirais qu'au-delà de l'ancrage chartois, qui est très important, c'est un livre très complet sur la façon d'aller au bout de ses rêves et de la volonté qu'on peut mettre pour y arriver. Donc présente chez Doucet, donc vendredi soir, pour une conférence de 18h à 20h. À 18h45 dans Au Quotidien, la suite, j'aurai la chance de faire son interview. Et puis, dans le cadre du salon, évidemment, dimanche 2 octobre. Toute la journée. Sur le stand de Doucet. On rappelle, Faites lire, événement gratuit, samedi de 10h à 19h et dimanche de 10h à 18h, faites-lire.fr pour toutes les informations. Est-ce qu'on a tout dit? Non. Non, mais tout va être écrit. Et puis, un peu de fantaisie, un peu de surprise, promenez-vous dans les allées. Oui, profitez-en, c'est gratuit. Et évidemment, c'est pour lire aussi, donc c'est formidable. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Merci Aurélien. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Tout à fait. Est-ce qu'on prend date pour l'année prochaine? Je sors l'agenda pour 2023. Rendez-vous en 2023, on recommence. C'est noté. Merci beaucoup. Merci. Très bonne soirée aussi à nos téléspectateurs. Dans un instant, de la culture sur LMTV. Moi, je vous donne rendez-vous demain, 18h30 pour Au Quotidien, et puis mardi prochain, 19h, pour un nouveau numéro de Sarthe et moi de là, l'émission qui nous rend fiers d'être Sartois. Et voilà.